Regarde comme c'est beau, regardez la vue, messieurs, dames. Parce que je suis encore jamais passé par là, t'as vu sur cette. Ah bah désolé. Oh la madame, elle est morte! Et salut à tous! C'est Fox et Miss. Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui. Ah putain, quel plaisir. Salut à toutes et à tous, même compagnie, les Césaires. J'espère que vous allez tous très bien. Gros clin d'œil à Fox. Quel plaisir. J'ai initié Arthur aux vidéos Fox. On fait pas ça à l'arrêt. C'est pas grave. Eh, hein. Non, voilà. C'était un petit clin d'œil à Fox. Et trop content qu'il soit de retour sur YouTube avec bien sûr Miss. Et regarde d'ailleurs, on a Fox là-haut là. Eh ben, c'est pas beau ça, hein. Ah, il est en train de préparer le camion. C'est ça. Mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu attires la toile? Ah, ah oui, mais je suis électro. Ah, mais statique, tu colles là. Regarde, hop. Ah merde, et toi tu m'entends super fort, t'as pas le casque. Moi voilà, je ça va, pas. Tu parles pas plus fort que d'habitude. Mais oui, moi j'ai la compression, moi. Donc voilà les gars, aujourd'hui on est avec Arthur. Arthur, alors on le présente pas parce que vous l'avez déjà vu du coup, réellement il y a encore 2 semaines de cela, même pas. C'est vrai, lui qui m'a monté longtemps. Le super PC. Oui. T'as dit quoi là, d'ailleurs. J'ai dit il y a pas longtemps. Même. Ah ouais, c'est tu ça. M'entends pas avec ton casque. Mais ouais, c'est un truc de faut ouf. Que je parle fort. Ah c'est bon comme ça. J'ai la radio, mais c'est pas mal. Donc voilà. Ah punaise. Mais arrête de coller. Je vais enlever mon. Oula, à poil. Mon sweat. Il est tout nu. Il est tout nu. Du coup les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator 2, Arthur alias Firestorm. Je mettrai sa chaîne en description. Il a commencé d'ailleurs des nouvelles vidéos là sur sa chaîne au moment où la vidéo sort. Normalement ouais, au moment où elle sort, il y a au moins une vidéo qui est sortie. T'as dit quoi? Au moment. Ah mais faut que je parle fort en fait. J'ai dit au moment où la vidéo sort, il y a au moins une vidéo qui est sortie. Exactement, Fireworld. Ouais. Épisode 1. Épisode 1. Et peut-être même plus. Peut-être plus. Ah c'est génial. D'ici là, je sais pas quand tu sors la vidéo, peut-être d'ici là il y aura d'autres épisodes. C'est vrai. Eh, t'as vu le reflet sur le camion là? Ah ouais. Franchement. T'avais pas ça hein? Bah je sais plus, mais c'est pour dire à quel point c'est beau le jeu. Ah oui. Ah il est beau le jeu. Mais moi je sais pas, j'ai jamais fait gaffe, j'ai toujours mis les graphismes ce matin. Excuse-moi. Alors voilà les gars, donc on est avec ce beau Scania. Qu'est-ce qu'on transporte aujourd'hui Arthur? De l'huile moteur. Ouais. Voilà, on est bien sûr sur Grand Utopia les gars, hein, parce que le but c'est quand même qu'il me fasse de l'argent, hein. C'est un peu de l'exploitation. L'avantage c'est qu'on peut faire la vidange en route. On peut faire la vidange en route, exactement. On est à Saint-Vaury, d'ailleurs je vais lui rajouter un petit point ici pour qu'il me débloque le point d'interrogation. 1-2-1-2. Super. Superbe. Je dis 1-2-2 parce que j'ai cru que le son coupe. Voilà. On va prendre la Nationale 3 pour commencer, hein, parce qu'on est en bord de mer, c'est beau. On va aller sur Dolan-sur-Mer, d'ailleurs. Point d'interrogation, il va me faire une manœuvre là, ça va être incroyable. Et il va livrer ici. Et peut-être que... En fait, je suis dégoûté. Je voulais qu'il prenne la route de la Joséphine parce que c'est une route assez... Oh ! Ah si, dans tous les cas, tu vas prendre la route de la Joséphine. Ah si, si. D'accord, bon, d'accord. On va déjà faire ça. Mais dans tous les cas, tu feras la route de la Joséphine. Tu la connais pas. Mais j'ai jamais vu sur... Eh ben... Comment ça, t'as jamais vu sur Grand Utopia? Comment ça? Oh, hein? Oh, bon. T'as pas le GPS qui a allumé? Ah oui, ça peut être pratique. Hein. Malheureusement, il n'y a pas le GPS intégré dans ce pauvre Scania. Voilà, ouais. Ce sera mieux. Est-ce que ça te va parce comme que ça? Moi je connais pas la carte. Hein. Ok. Est-ce que tu as besoin du rétroviseur artificiel en haut à droite? Le rétroviseur de droite? Ouais. Non. Oh bien. Non, je fais juste ça, hop. Oh le boss. Hey, t'as vu Miss? Tu vas te détendre déjà pour commencer. Oh là là, je me croirais vraiment à côté en plus. Non, c'est vrai. Au moins il s'engage, il regarde même pas. Super. Oh, il roule sur la piste cyclable. Mais t'as vu la longueur du. Donc il me met en gauche beau. Pour aller à droite, bravo ça. Ah, il met les pleins phares, bah bravo. Non, non. Hop, il marque un stop alors que c'est un CD passage. Non, je vais arrêter, ça va être très long sinon. Oh purée, il regarde, ça va taper à droite. Mais non. Ça, passe. Ça a pas tapé. Mais oui. C'est bon, je roule un grand scénic de temps en temps. C'est pareil, ah merde, c'est bien. C'est rouge. Il a pas. Oh bah. Et j'ai fait glisser le pédalier. Et là, le feu oh, rouge. Oh putain, on va tant pis y aller, ça merde. Mais non, tu l'as pas grillé. Je l'ai pas grillé. Oh l'enculé, il a... Oh là là. Je le vois même pas du coup. Bah ouais. Enfin, y a personne derrière. Comment tu fais marcher derrière comme ça? Hop. C'est ça, mais je crois qu'il y a quelqu'un derrière. Stop, 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 train. Alors c'est marrant parce que la dernière fois que j'ai fait ça, j'étais en couple. Ah ouais. Voilà. Alors vous ne savez pas ce que je fais avec ma main gauche, remarque. Bah je tiens le boîtier de vitesse. C'est Grand Utopia. T'as vu, on dirait la France. C'est vrai. Oh, il est concentré, c'est beau ça. Un homme concentré, c'est beau. Regarde l'eau et tout, c'est beau. Regarde, c'est le lac Léman.
On dirait la Bretagne un peu. Ouais. C'est à peu près ça, on est dans le nord. Alors, c'est celui-là. J'ai encore un peu de mal avec les boutons. C'est pas grave, t'inquiète. T'as un peu monté sur le trottoir. Cela dit, je trouve que tu t'en sors vraiment pas mal et ça me dégoûte un peu. Ah, tu pensais que j'allais me cracher dès le début ? Non, mais c'est pas ça, mais j'ai vraiment l'impression que tu prends des meilleures trajectoires que moi et du coup je complexe un peu parce que tu sais, avec ma 607, même dans la vraie vie, je prends des trajectoires de merde. Donc quand je te vois avec le camion, ben voilà quoi. Regarde comme c'est beau, regardez la vue, messieurs, dames. Parce que je suis encore jamais passé par là, t'as vu sur cette. Ah, bah désolé. Oh, la madame, elle est morte ! Alors pour ceux qui se demandent pourquoi il fait un petit peu son David Guetta avec le casque sur les. C'est tout simplement parce que j'ai pas besoin de le mettre sur les oreilles. Superbe. Superbe. Moi je suis le moniteur camion école. Hein. Si jamais il fait un mauvais. Oh, il s'est fait écraser par la voiture. Oui, il klaxonne le derrière, c'est un baiser lui. Non, mais il est pas. Il est pressé. C'est fou, c'est fou. Non, mais là par contre, c'est un sketch. Oh, mais. C'est piéton simulateur le truc. Il y a des piétons partout. Et alors surtout, prends ton temps, dis pas merci. Hein. Là, tout le monde, il se retourne. Ah oui, bah là, c'est un papy. Hein. Voilà, c'est chouette. C'est chouette. Il regarde même pas à gauche, mais c'est pas grave, c'est chouette. Mais si, j'ai vu à gauche. Hein. Ok, bah... Donc, je disais pourquoi il a. En fait, parce que le casque, il est trop fort pour lui. Et je ne peux pas lui baisser de volume. Parce que, bref, la table de mixage, c'est compliqué. Si je lui baisse le volume, bah vous avez pas de volume, globalement. Voilà. Ce sera un petit peu dommage. Et j'ai fait un super setup avec micro à moi, micro à lui, là. Parfait. Et d'ailleurs, on nous entend bien tous les deux. Normalement, ouais. Normalement, c'est plutôt pas mal. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous kiffez d'ailleurs. D'ailleurs, vous savez pas ce qu'il m'a dit tout à l'heure là, avant qu'on démarre la vidéo là. Qu'est-ce que j'ai dit? T'as dit, elle est toute molle. Je parle de la pédale de frein. Ah. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, elle cuine. Hein. Oh là. Oh là, c'est la merde. Ah putain, ça rompt point ici. Oh, bah là, lui, elle a tourné. Hein. Bon, jusqu'ici, il était pas trop mal. D'ailleurs, t'as vu, il y a un. T'as activé un voyant là. Il y avait quelqu'un en commentaire qui m'avait expliqué ce que c'était et je crois que c'est en rapport avec les pneus. Ah, ils sont sous-gonflés, c'est pour ça. T'as pas vu la pression avant de partir? J'ai acheté comme toi le compresseur. Ah, le compresseur portable? Ouais. Comme ça, si jamais je suis dans la merde, je peux appeler. Là, c'est un téléphone. C'est ça. On dirait une enceinte, le truc. C'est vrai. C'est fou. Mais ça fait pas de la musique. Bah, tu peux faire de la musique avec, mais. Ouais, c'est vrai. C'est pas le même style de musique quoi. Tu peux faire des bruits de caisse si tu fais exploser le. C'est beau hein. Hop, je te tourne la vue, ça te dérange. Ah, fais pas ça. C'est pas mal, tu fais des trajectoires assez. Assez. Bah, des trajectoires assez. Assez, d'accord. Ah, c'est sympa, ça faisait longtemps que j'étais pas passé par ici pour de vrai dans Grand Tuto Pierre. Grand Tuto Pierre, pardon. T'en penses quoi là jusqu'ici? C'est sympa, ça change du Euro Truck Simulator normal en fait. Ça fait plaisir, témoignage absolument, je le paye pas. Hein. Il est pas payé par MyGodness. Ça fait plaisir, Dolan-sur-Mer. C'est chouette. Hein. Sachant que là, c'est pas forcément l'endroit le plus joli, hein. Il y a plein de trucs. Tu sais, il y a Gérard May. Ah ouais? Ouais, il y a Gérard May, il y a Krautergersheim. Punaise, attends, par contre, là, faut tourner. Moi, je suis plus le GPS là, j'étais parti pour aller tout droit. La panique. Hop là, c'est le passage, rien à péter. Bah, y avait personne, j'ai pas. Ah, bah passage. Vu comme ça, bah oui, évidemment. Là, t'as vu, ça freine bien fort. Hein. Voilà. Bon, les pompiers sont déjà sur place, si jamais. Ce serait con de les dégommer eux. Hein. Ouais. Pas mal. Et là, si tu veux, le petit coup de frein à main. Ah, bah, y'a pas besoin, le feu passe au vert. C'est l'autre. Je me trompe toujours. Regardez bien le feu. 3, 2, 1. Il reste ouvert, trop fort. Non, moi ça m'épate. Vous en pensez quoi? N'hésitez pas à donner une note en commentaire de ce qu'il est en train de faire. C'est ici que tu veux? Non, juste non, après. Parce qu'en vrai, tu te débrouilles pas mal. Donc au niveau des manœuvres? Là, au niveau des trajectoires, moi ça me. En fait, on dit. Et de la vitesse, alors pas quand tu faisais le con en roulant avant, mais. Bah, moi en fait, j'ai l'habitude sur départemental de rouler aux vitesses max. Ouais, bah forcément. Donc, en camion, c'est différent. Ça, c'est sûr. Mais oui, mais voilà. Mais malgré tout, les virages, tu les prends comme. Non, mais tu vois, j'arrive pas à être aussi doux. Quand tu tournes le volant? Bah, ouais, je suis un peu brutal. Comme dans ma voiture, tu vois, mais. C'est vrai que t'es doux. Vous trouvez pas doux? Et je parle pas du village, pas doux. Tu connais, hein? Pas doux. Non. Bah, c'est pas grave.
Ah, là on va s'amuser parce que t'as vu la place qu'il y a. Ah bah regarde, il nous a attendu, L7Z Fox, tu vois. Tu peux parler un peu ? Bon courage. Si jamais t'as besoin de la souris, hein, n'hésite pas. Je la mets juste entre mes jambes. Ah bah, par contre là je vois plus rien. Voilà. Tu dis tu la mets juste entre tes jambes, mais par contre derrière, eh ben t'as regardé entre les jambes du pilote. Ouais, les jambes elles étaient en l'air. Oh là, là t'es pas bon, là t'es pas bon du tout. Non, pas non, du tout. Non, t'es pas bon du tout. Alors là je vais faire le moniteur alors que moi-même je suis une merde. Non, tu voulais te mettre dans le coin là-bas. Non. Bah alors là tu vas faire comment mon ami? Parce que là regarde, si on sort du véhicule. Ouais. Et ben regarde là t'es dans la merde. Ah ouais punaise, elle est aussi proche que ça la place. Eh ouais. Alors je te laisse corriger. Ouais. Ah tu peux encore y aller hein. Encore? Bah ouais parce que là t'es au même niveau qu'avant hein. Juste que t'es plus à gauche mais voilà tu vas jusque là je pense. Ah oui là tu te gares carrément à côté. Si tu regardes dans le grand angle là, ouais. Bah t'es ici ouais. Alors que ah, par là. Contre j'aimerais juste regarder de l'autre côté si je trouve là. Bon par contre si je touche ça va pas le faire. Il est en train de démonter le Komodo. Il est en train d'astiquer le Komodo carrément. Non, ça passe pas. Non, non. Alors, vas-y, freine. Alors, attends. Ah, je comprends mieux pourquoi Fox il galère quand il fait les manœuvres à côté. Je suis con. Bah oui, j'ai pas accès aux pédales, c'est logique. Mais oui, alors vas-y, avance. Ah merde. Voilà, avance bien, avance bien. Tac, tac, tac. Tu peux y aller encore, tu peux y aller encore. Voilà. Tu peux t'arrêter. Ok. Là, je vais mettre donc la marche arrière. Vas-y, recule. Oh putain, frein de parking, attends. Ah bah oui, bah bravo. Vas-y. Mais c'est pas possible. Voilà. Et là, regarde. Là. T'as rigolé là, hein? Oh, 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 oh. Ok. T'es un peu proche du mur là. Ah mais c'est pour ça. Vas-y avance. Ah c'est vraiment étroit ici. Hein. Ah c'est. C'est oh, pas non. La manœuvre des plus la plus facile. Hein. Oh putain on s'est pris le poteau. Ah, oh putain. Bah, là on est coincé. Oh putain. Oh yes on a réussi. Oh on a réussi mec bravo. Ah bravo. Oh le truc ah, de ouf. C'était facile en fait. Let's go. Ça y est il a abandonné. Ça m'a saoulé. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas n'oubliez pas le pouce bleu. Qu'en as-tu pensé jusqu'ici? Bah ça allait jusqu'à la manœuvre. Exactement. La manœuvre c'est pas pareil. Et est-ce que tu te sens chaud pour la prochaine vidéo? On va faire donc la Joséphine. Parce que je vais te laisser imaginer. Il y a ce panneau là. Attention. Et puis là il y a des petits virages mais voilà. Des petits virages, c'est juste petit. Voilà tu sais pas vraiment ouais, c'est juste des virages quoi. Ouais. Voilà. On verra. Il est pas prêt, il est pas prêt. On va voir ça pour le prochain épisode, les amis. On verra combien de fois je vais retourner le camion, c'est ça? Ah ouais, on va être dans la merde. Donc les gars, bombardez-moi de pouces bleus, maximum de soutien pour Arthur. Lien en description, le petit commentaire, l'abonnement bien sûr, la note que vous attribuez à sa conduite, qui va fortement chuter dans le prochain épisode. Et on se retrouve bientôt. Faut pas regarder la manœuvre par contre, pour noter la conduite. Ah. Ah, bah c'est vrai que moi-même elle était pas folle mais là, finalement la manœuvre. Mais c'est de ta faute. Toi tu t'es mangé le poteau, moi au moins j'ai rien touché. C'est de ta faute, j'ai rien à savoir. Non. Ah non c'est pas ma faute hein. C'est toi qui manœuvrais. Bon allez, salut. Au revoir.